Chris, mais moi, Max, on se connaissait depuis longtemps. Mais je savais même pas que tu jouais du drum au début. Non, c'est ça qui a tout changé l'affaire. Quand je t'ai vu jouer. Moi, je jouais du drum seul. Max jouait avec un autre groupe. J'ai rencontré André au cégep. On a commencé à jouer de la musique ensemble. Ça connaît plus. Je connaissais Max encore. À un moment donné, j'ai amené André voir un show de Maxime. Et puis, à partir de là. Mais on a décidé de vouloir jouer ensemble. Ouais. Puis ça, ouais. Ça. Après ça, ben, Elephantine s'est créé par la suite avec deux autres membres qui sont greffés. Ça a duré peut-être un an. Ça, en tout cas, il y a eu des changements dans le band, deux personnes qui sont parties. Puis là, Julien est rentré par la suite, juste en septembre. Le pire, c'est qu'il y avait sa place. Comment on a choisi notre nom, Maxime? Comment déjà, Maxime? Le dictionnaire. Oui, c'est ça, dans le dictionnaire. On cherchait des mots, puis on est tombé sur la tortue éléphantine. On a fait, ah, moi, accrocheur, on le garde, on l'a mis de côté. Puis on a sorti ça dans un meeting de band, ben tous les deux, on fait, hey, éléphantine, I like it. On le garde. C'est sûr que c'est la musique. C'est sûr que c'est alternatif, ça a un côté planant. Ambiant. C'est pas. Quoi que sur album, c'est peut-être sur album, c'est un peu plus calme, je dirais. Mais en show, je pense que ça déménage un peu plus. Les guitares sont plus présentes, les guitares électriques sont plus. Il y a l'intensité, je dirais, peut-être pas nécessairement plus rock, mais il y a une intensité. Ouais, c'est ça, pas plus rock. Mais quand même, tu sais, moi je fesse plus live. Mais ça reste sensible. C'est bon, fesse. Ça reste sensible, même à ça. C'est toujours sensible. Ouais, la musique de pluie. 4, 5, 6. Nos influences, ouais. Je pense que le band s'est beaucoup influencé des groupes alternatifs des années 90, parce qu'on a grandi avec ça. Puis c'est sûr que moi j'écoute beaucoup de musique comme Blonde Redhead, sur les groupes comme Radiohead, Carquois, Blur. Mais Blur. Oui. En général, les quatre, Blur, tout ce qui est rock alternatif, feeling, on aime tout mais ça. C'est sûr qu'on a des trucs qu'on aime plus individuellement, mais c'est ça. Après, chacun a ses propres. Comme Julien est plus groovy, moi j'essaie de. Mais là, j'écoute un peu tout, l'électro, j'écoute peut-être des plus jazz. Autant des trucs instrumentaux que pop aussi, on aime ça. Tout ce qui... ouais. Mais ce qui nous rejoint ensemble, je pense que c'est l'alternative. Mm. Mm.